Bien sûr. Laure. Bah moi, je pense que si je me parlais, je pense qu'il aurait envie, il aurait envie de rester parce que forcément, il s'est imprégné un petit peu de cette ville, de la ferveur des supporters. Il a aussi tissé des liens forts avec ses joueurs. Et quand tu réalises une saison comme ça, tu as forcément envie de t'inscrire dans une certaine forme de continuité. Mais au regard du contexte, moi, je serais lui, je dirais comme Roland et Lionel, j'attendrai. J'attendrai d'avoir certaines réponses par rapport au recrutement qui pourrait avoir lieu, au sein de mon effectif. Je patienterai le maximum. Et comme dit Roland, pour emmerder mon président, eh ben, je donnerai ma réponse au dernier moment parce que je trouve aussi que les dirigeants marseillais se sont joués aussi un peu de lui et jouent justement sur cette corde sensible du fait que justement il se plaît à Marseille dans ce club si particulier parce que lui, il a une personnalité qui est OM compatible. Eh ben, j'attendrai le dernier moment. Si jamais ils ont déjà le duo pour remplacer Zubizarreta et Villas-Boas, eh ben, j'attendrai le maximum pour pas les, en tout cas, favoriser le président, en tout cas, les décisions des instances dirigeantes.